Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et Compagnie. Comme vous le voyez, les Pyjamasques sont déjà de retour sur la chaîne. Et aujourd'hui, ils vont nous présenter leur tout nouveau véhicule. Vous allez voir, il est vraiment trop bien. Le voici, attention, il arrive du ciel. Je vous présente les amis, le HQ Rocket de Pyjamasque, ou encore Quartier Général Volant. Le tout nouveau vaisseau spatial d'exploration lunaire des Pyjamasques qui ressemble effectivement à leur quartier général, on dirait leur totem. Vous allez voir que ce vaisseau a plein de fonctions super sympas, je vais toutes vous les montrer, promis. Là on voit déjà qu'on aura un superbe cockpit où nos trois héros vont pouvoir s'installer. Le vaisseau fait de la lumière mais également des sons. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a un deuxième véhicule qui est fourni, ainsi qu'une figurine de Gluglu. Véhicule qu'on pourra stocker dans la soute du vaisseau. Et oui, il y a effectivement une soute. Bref, c'est incroyable toutes les super fonctions qu'on a dans ce magnifique jouet. Et maintenant, justement, qu'est-ce que vous en dites? Il est temps de le déballer. Voici donc tout ce qu'on avait dans la boîte. Deux véhicules, le vaisseau spatial, le véhicule lunaire et la figurine de Gluglu. D'ailleurs, on va commencer par regarder le petit scooter de plus près. Il y a quelques jours, vous faisiez la connaissance avec les véhicules lunaires de Bibou et de Yo-Yo. Eh bien, aujourd'hui, voici celui de Gluglu. Et pas de doute, c'est bien son véhicule. Déjà parce qu'il est vert, mais surtout, ce scooter lunaire ressemble à un lézard. Et comme vous le voyez, c'est un tricycle. Il change un peu par rapport au véhicule de Bibou et de Yo-Yo. Voyons maintenant la figurine. Ici, Gluglu a une combinaison spatiale très particulière. Et un casque qui ressemble un petit peu à un œuf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à un œuf. Alors la queue de Gluglu n'est pas articulée. Par contre, la tête, les bras et les jambes, aucun souci. C'est d'ailleurs le moment de comparer ce nouveau Gluglu avec celui qui était fourni avec le véhicule Turbo Racer. Alors, lequel vous préférez, vous? Moi, j'aime bien le casque du Turbo Racer, mais j'ai une préférence pour celui de l'exploration lunaire. Et à ce sujet, Gluglu est maintenant prêt à tester son véhicule. C'est parti! Grâce à ses trois roues, il peut aller partout! Et voici la collection des véhicules lunaires des Pyjamasques, Gluglu, Yo-Yo et Bibou. Et vous, lequel des trois vous préférez, vous? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Gluglu sans hésiter. Et maintenant les amis, voyons ce que ce super vaisseau spatial Pyjamasque a dans le ventre. Déjà, au niveau de la forme, il est vraiment très beau. Je le disais tout à l'heure, il ressemble vraiment énormément au quartier général de nos héros. Il est plutôt grand. Et moi je le trouve assez joli. À l'arrière, on a un réacteur qui est également le haut-parleur. C'est par là que vous allez entendre tous les sons. Sons que vous allez entendre en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve juste sur cette poignée, qui vous permettra de faire voler le véhicule. Les ailerons à l'arrière, on peut les replier. Et quand il est temps d'atterrir, les trains d'atterrissage sortent. Attention, atterrissage, là on dirait vraiment un oiseau. Bon, maintenant il est temps de tester les sons. C'est quand on appuie là-dessus. Le vaisseau fait des bruits d'atterrissage, de décollage, et sur les ailes, regardez, des lumières s'allument. Et il y a même la musique des Pyjamas. Ah, c'est vraiment trop bien et c'est pas fini les amis, maintenant on va jeter un coup d'œil au poste de pilotage, ouverture du cockpit. À l'intérieur, on a énormément de place pour nos trois amis, devant Gluglu et derrière Bibou et Yo-Yo. Et en dessous, quand on appuie sur ce bouton, attention, déploiement de la soute. C'est ici que Gluglu va ranger son scooter.
Gluglu et Yo discutaient tranquillement alors qu'ils exploraient la surface de la Lune, lorsque tout d'un coup, on les appelle. Yo-Yo Gluglu ! Yo-Yo Gluglu ! Ah, enfin, je vous trouve ! C'est terrible, les amis ! Que se passe-t-il, Bibou ? Vas-y, explique-nous ! Alors voilà, j'étais en train d'admirer tranquillement la Terre avec mon télescope, lorsque tout d'un coup, j'ai vu Sorceline et Roméo. Ils arrivent, et je suis certaine qu'ils veulent me dérober le cristal de lune que je viens de trouver. Comment ? Tu as trouvé un cristal de lune ? Montre ! Oui, regardez les amis, il est juste là. Wouah ! Il est magnifique ton cristal ! Si ce que tu dis est vrai, nous devons le protéger. Et empêcher Roméo et Sorceline de venir le voler. Justement, les amis, j'ai exactement ce qu'il faut. Gluglu à Roquette, Gluglu à Roquette, est-ce que tu me reçois ? Je vous reçois, 5 sur 5. Viens nous récupérer sur la Lune, s'il te plaît, c'est une urgence. Très bien, j'arrive. Ouah, Gluglu, mais tu nous avais caché ça ? Oui, désolé, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Je vous présente le nouveau quartier général volant des pyjamasques. Il n'y a pas une seconde à perdre. Montons vite à bord. Ouah, Gluglu, il est énorme. Un vaisseau spatial, rien que pour nous, j'en ai toujours rêvé. Merci, Gluglu. Je vais charger mon scooter dans la soute et je vous ouvre. Roquette, fermeture de la soute. Très bien, Gluglu. Allez les amis, grimpez, nous avons une mission à remplir. Roméo et Sorceline ont été localisés, leurs coordonnées ont été transmises à l'ordinateur de bord. Bibou est en place. Yo-Yo est prêt. Au fait, Bibou, t'as pensé à prendre ton cristal de lune ? Pas d'inquiétude, il est à côté de moi. Les soucis, on les règle la nuit. Allumage des moteurs, Roquette. Bien reçu. Roquette est prêt pour le décollage. Pyjamasque en avant! Yo-Yo, tu peux rentrer les trains d'atterrissage. C'est bon, c'est fait. Et maintenant, allons accueillir nos amis Pyjamasque en avant! Je vous ai présenté aujourd'hui, les amis, le HQ Roquette, le tout nouveau vaisseau spatial quartier général des pyjamasques, qui en plus est fourni avec un véhicule supplémentaire, un scooter lunaire pour Gluglu. Ah, nos trois amis ont l'air de vraiment aimer leur nouveau vaisseau. Et vous, dites-moi, vous en avez pensé quoi, les gars ? Vous avez aimé ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir si je continue à vous présenter des pyjamasques ou pas. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu, et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner tout en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu automatiquement lorsque je mettrai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à tous les amis, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. Bye bye.